Soit béni. nous sommes en direct sur TV Radio de vie. Parfait, parfait, parfait. Alors, euh, bienvenue hein, dans votre émission. Il est minuit. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et euh, mes amis, euh, c'est une joie pour nous hein, ce soir euh, de vous avoir avec nous afin de partager ensemble l'évangile euh, du Seigneur Yeshua à Machia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour ceux et celles qui sont connectés ce soir, qui t'aiment, Seigneur, qui te cherchent. Nous voulons t'honorer encore ce soir, Renaud Yeshua, notre Maître. Nous te prions, Père. Amen. Voilà, Apocalypse chapitre 3. Et, euh, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. À partir du verset, on va lire euh, l'histoire de l'Église de, euh, de Philadelphie. Voilà. À Apocalypse, chapitre 3, partie du verset 7. Voilà. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint et le Véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, voici je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, dis-je, je le ferai venir et se prosterner à tes pieds et ils sauront que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Le vainqueur, je ferai de lui une, couronne, une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de, de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ici, bien sûr, c'est le Seigneur Yeshua. Regardez bien, dans le verset 7, au verset 7, on nous dit... Et euh, écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint et le Véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, qui est celui qui ferme et personne n'ouvre Et qui ouvre et personne ne ferme Eh bien, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même, Yeshua. Et à la fin, on nous dit, c'est l'Esprit qui parle. Donc, vous voyez bien que c'est le même être. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Donc, quand Jésus parle, c'est le Père qui parle. Quand le Père parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Quand l'Esprit parle, c'est Yeshua qui parle. Donc, c'est le même être, le même Dieu. Il n'y en a pas trois. Donc, ça, on a compris. Que Dieu soit béni. En tout cas, pour ceux et celles qui cherchent la vérité réellement. Mais ce n'est pas le message, ce n'est pas le message de ce soir. Ce soir, nous voulons parler, justement, et particulièrement du verset, euh, et, euh, euh, 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance la parole de ma constance. Persévérance ici, c'est constance, c'est euh, endurance. Et euh, voilà, donc il est question ici euh, des personnes qui persévèrent malgré les épreuves, des personnes qui gardent la vérité malgré l'opposition. Il est question ici des hommes et des femmes qui ont reçu la parole véritable, l'évangile pur, basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur sa naissance miraculeuse, sur son service sur terre de trois ans et demi, sur ses miracles, sur euh, sa mort et sa résurrection, sur son retour, mes amis, euh, prochain, sur sa divinité, sur la sanctification, sur la crainte de Dieu, sur l'amour véritable, sur la sainte doctrine. Cet évangile, mes amis, qui est Christocentrique. Cet évangile qui de plus en plus, mes amis, qui est de plus en plus menacé, combattu, rejeté. Décrier. Il est question de cet évangile-là, mes amis, qui un évangile qui n'est pas basé sur l'argent, sur l'homme, mes amis, mais sur le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Cet évangile qui amène, mes amis, euh, et euh, qui amène les gens à adorer le seul véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Eh bien, aujourd'hui prêcher ce message, dire aux gens que la dîme est une pratique de la loi qu'il ne faut plus la réclamer, il ne faudrait plus la réclamer, dire aux gens que nous sommes, nous chrétiens, le peuple du livre, nous sommes, nous chrétiens, la maison de Dieu, dire aux gens que tous les chrétiens sont serviteurs de Dieu, prêtres dans la maison de Dieu, dire aux gens que tous les chrétiens sont établis comme des rois. Ce message-là dérange de plus en plus. Et Dieu s'adresse à l'Église de Philadelphie, Philadelphia, l'amour, l'amour filial, l'amour, euh, l'affection fraternelle, l'amour fraternel. Cette Église-là, mes amis, est la, la deuxième Église, mes amis, euh, 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 propre. La deuxième Église, y a, c est, c est Philadelphie, avec euh, l'Église de Smyrne, et les seules Églises. N'est-ce pas sur les sept que Dieu a gré? Et Dieu dit à cette église de Philadelphie qu'elle a peu de puissance. Il n'est pas question ici de l'autorité, mes amis, gouvernementale, de l'autorité royale. Il est question de la richesse. Des richesses. Cette église n'était pas riche selon les hommes. Cette église n'était pas riche en cathédrale. Cette église n'était pas riche en bâtiment. Elle n'était pas riche en billets de banque. Et elle était riche en Dieu. Elle était spirituellement riche parce qu'elle avait la parole, la parole de patience, la parole qui amène la patience, la persévérance malgré les embûches, malgré les épreuves, malgré les dires, les critiques, malgré les, les allégations des hommes, malgré les, les, les propos sanguinaires des gens, malgré, mes amis, les coalitions des faux prophètes, des faux chrétiens. Cette Église n'a pas baissé les bras. Cette église, c'est l'église fidèle au Seigneur. C'est l'église qui a gardé l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la parole, l'amour pour la vérité. Cette église de Philadelphie est l'église, mes amis, rejetée, inconsidérée par les hommes, des hommes. Mais elle a gardé la parole de Dieu. Alors, garder ici, c'est euh, quoi C'est s'occuper soigneusement de quelque chose c'est prendre soin de quelque chose cette église a gardé soigneusement la parole de Dieu malgré les épreuves d'ailleurs le seigneur parle de la synagogue de satan cette église était persécutée par la synagogue de satan la synagogue de satan ici représente toutes ces fédérations d'hommes toutes ces fédérations de pasteurs toutes ces fédérations mes amis ces coalitions de faux chrétiens de faux frères qui vont, mes amis, se coaliser, tout ça, se mettre ensemble pour combattre les vrais enfants du Seigneur, pour combattre la vérité, mes amis, véritable. Cette vérité dit quoi Que l'on ne peut pas être chrétien et, di et divorcer, se remarier et continuer à faire l'œuvre. Non, Dieu est contre le divorce et le remariage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible nous dit. Nous croyons à la sainte doctrine, mes amis, dites ce que vous voulez, nous ne changerons pas de vérité, de message. Non. Dieu est contre le divorce et le remariage, ça on le dit, moi je le dis à tout le monde, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais néanmoins je continuerai à dire la vérité. Ce que Dieu me demande de faire, je le ferai, quelles que soient les épreuves, quels que soient les dires. L'Église de Philadelphie est une Église, mes amis, qui est combattue par la synagogue de Satan, c'est-à-dire les fédérations d'hommes, les fédérations des pasteurs, les fédérations des chrétiens, hein, les coalitions des chrétiens, des prédicateurs d'ici et là, qui se coalisent tout ça pour combattre ces chrétiens véritables. Et ce soir, mon frère, ma sœur, je voudrais, euh, j'aimerais que vous soyez, que nous soyons tous, mes amis, euh, euh, membres de l'Église de Philadelphie, Philadelphia, l'Église qui a de l'amour pour oui. le Seigneur. Qui a reçu l'amour de la vérité, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et Dieu dit qu'il aime cette église, que la synagogue de Satan saura que Dieu aime cette église. Et ensuite, il dit parce que tu as gardé soigneusement la parole de la constance, cette église est constante, elle est dans la constance, elle n'a pas changé le message contrairement à des gens aujourd'hui qui hier ont dénoncé le péché ont dénoncé la dîme ont dénoncé babylone ont dénoncé les coalitions avec les pasteurs impies avec les pasteurs qui font la cour aux femmes avec des faux prophètes avec des faux ouvriers aujourd'hui on les voit se mettre ensemble avec les gens qu'ils ont dénoncés hier parce qu'ils sont dans l'inconstance ils ne sont pas constants ils ne sont pas mes amis dans la sainteté dans la vérité ils ne sont pas dans la constance ils changent au gré du vent, ils changent de message en fonction, mes amis, de leurs propres intérêts, en fonction de dire des uns des autres, parce qu'ils ont des intérêts personnels. Et l'église de Philadelphie, dès sa naissance, depuis sa naissance, elle a gardé le message, elle prêche le même message. Alors Dieu lui dira, au verset 10, parce que tu as gardé, parce que tu as conservé le message, la parole de ma persévérance. Je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu nous parle, Jésus nous parle d'un moment précis où l'humanité sera éprouvée, sera véritablement éprouvée. Et effectivement, euh, mes amis, euh, les prophètes ont parlé de ce temps-là. Nous sommes dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Nous lirons à partir du verset, euh, mes amis, euh, 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 premier. La parole qui vient à Jérémie de la part de Yahweh en disant, Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël, écrit pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit Yahweh, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit Yahweh. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Et voici les paroles que Yahweh a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle Yahweh. Nous entendons des cris et des froids et de terreur. Il n'y a pas de paix. Informez-vous, je vous prie, et voyez si un mal enfante. Pourquoi vois-je les hommes, les mains sur leurs reins, comme une femme qui enfante. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, que ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. Il sera un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera pourtant délivré. Et il arrivera, il arrivera en ce jour-là, dit Yahweh des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens et les étrangers ne t'asserviront plus. Voilà, donc on apprend déjà que ici euh, euh, ce sera ce temps là sera un temps d'asservissement pour les juifs. Voilà. Donc on nous dit que ce jour est un grand jour, un jour de malheur, un jour qui n'a pas de mes amis, de précédent, un jour sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et ce sera un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera bien sûr délivré, un temps de Jacob, mais il en sera délivré et dans le livre de Matthieu chapitre 24 Matthieu 24, les Écritures nous disent quoi À partir du verset 20, Jésus dit ceci. Et euh, il dit on peut même commencer à partir du verset 15. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en, qu en aura jamais tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en, qu en aura jamais, qu'il n'y en aura jamais. Et donc, vous voyez bien ici, Jésus-Christ confirme Jérémie 37, un jour de détresse. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges et des miracles pour séduire même les élus s'il était possible. Voici, je vous l'ai prédit. Si l'on vous dit, voici, il est dans le désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc Jésus-Christ confirme bel et bien que ce temps de l'épreuve qui arrive sur le monde entier, ce temps-là, cette période est appelée la grande tribulation, une période de difficulté où les habitants de la terre seront éprouvés, seront secoués, et les Écritures nous disent que ça va être terrible, mes amis. Et euh, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur Yeshua nous dit que pendant ce temps-là, et hein, au moment de la grande tribulation, c'est-à-dire pendant la période durant laquelle les, les, les nations seront éprouvées, notamment Israël, eh bien, il y aura le réveil des faux prophètes et des faux Christ. Présentement, on le voit déjà, mais ça va, eh, mes amis, s'amplifier. Euh, et euh, et euh, dans Apocalypse chapitre 11, qu'est-ce que nous apprenons On me donna un roseau semblable à une verge et l'ange se, pré... se présenta et me dit. Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple et ne le mesure pas, car il est donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante deux mois. Donc nous apprenons ici que le temps de l'épreuve, durant lequel les nations seront éprouvées, les habitants de la terre, toute la terre habitée et notamment Israël, ce temps-là va durer quarante deux mois, n'est-ce pas voilà, on va cliquer sur le, le chiffre 1. On va cliquer. Donc, on apprend que c'est le temps durant, hein, c'est le temps que durera la grande tribulation, c'est-à-dire trois ans et demi. Voilà, donc, euh, vous voyez. Et Dieu dit qu'il va donner à ces deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sac. Et euh, donc, 42 mois ou encore 1260 jours ou précisément trois ans et demi. Voilà, c'est le temps que durera la grande tribulation. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Eh bien, Dieu va éprouver les habitants de la terre, Dieu va juger le monde. Et euh, les Écritures nous disent qu'il va déverser sur le monde les sept coupes de sa colère. Il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Et euh, Dieu va déverser sur le monde les sept coupes de sa colère. Donc, c'est trois ans et demi ou encore 42 mois ou 1260 jours, correspondent à la période de la colère définie, présentée dans les Écritures comme étant la période de la colère de Dieu, la colère divine. Dieu va juger le monde, il va frapper les nations et il va également juger le royaume de l'homme impie, le royaume de l'homme impie. Voilà. Et les Écritures nous disent dans l'Apocalypse, chapitre 15, euh, chapitre 16, pardon, à partir du verset 1er. Et j'entendis du temple une voix éclatante qui disait aux sept anges Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et dangereux frappa les habitants, euh, les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Donc vous voyez, Dieu va. Juger les hommes qui portent la marque de la bête, qui porteront la marque de la bête, et euh, il va y avoir de l'ulcère. Et en fait, on retrouve et, euh, dans ce chapitre les, 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 les dix plaies que Dieu avait, avec lesquelles Dieu avait frappé les, les Égyptiens hein, avant de libérer les, les, les Hébreux et, euh, de la puissance de la méchanceté euh, de Pharaon. Et donc, c'est la même chose, l'histoire se répète. Donc vous voyez quand Dieu a jugé les, 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 les Égyptiens sous Moïse, il a épargné son peuple. Donc Dieu dit dans Apocalypse 3 on l'a lu qu'il va garder l'Église de Philadelphie de cette heure de l'épreuve. Alors et, euh, le partitif est de dans Apocalypse 3 10 et euh, vient du grec ek ek que veut dire hors de ou encore loin d'eux. Donc l'Église véritable sera hors de cette heure-là, hors de l'heure de l'épreuve. Donc l'Église véritable ne va pas traverser la grande tribulation comme beaucoup de gens l'enseignent. Yeshua nous dit qu'il va nous garder hors de cette épreuve, c'est-à-dire hors de la colère de Dieu, hors du jugement de Dieu, c'est-à-dire l'Église sera enlevée, cachée. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc vous voyez, si vous lisez Apocalypse ah, 16, vous allez voir, mes amis, les fléaux. Hein, la deuxième coupe, c'est quoi eh ben, C'est la, la mer qui va être changée en sang, comme sous Moïse. Vous voyez Et la troisième coupe, c'est quoi Eh bien, c'est les sources d'eau qui sont changées en sang. Là, ce n'est pas seulement la mer, mais c'est toutes les sources d'eau. Donc les gens ne pourront plus boire, ils vont mourir de soif. Ça va être terrible, mes amis. La quatrième coupe, c'est quoi eh ben, C'est une chaleur extrême. La canicule. Le soleil qui va brûler, brûler les hommes ça va être terrible et qu'est ce qui se passe? Les gens vont encore blasphémer le nom de Dieu hein, qui a la puissance ou l'autorité sur ces fléaux et ils ne vont pas se repentir pour donner gloire à Dieu et c'est terrible. La quatrième coupe c'est quoi eh c'est le trône de la bête qui va être frappé des ténèbres. Dieu va envoyer des ténèbres épaisses hein, sur le royaume de la bête de l'homme impie. donc vous voyez mes amis, nous ne serons plus là gloire à Dieu. Et la sixième coupe c'est quoi C'est le, le fleuve le Frat qui va être complètement asséché pour préparer la voie des rois qui viennent de l'Orient, qui viendront de l'Orient pour la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale. Chrétiens mes frères et sœurs, nous sommes à la fin. Et la septième coupe c'est quoi mes amis eh bien, La septième coupe c'est euh, une grosse grêle qui tombe du ciel et les écritures nous disent que la grande ville sera divisée en trois parties et les villes des nations vont tomber. Et Dieu va juger Babylone la Grande. voyez Et c'est le jugement de la Babylone la Grande euh, qui sera, mes amis, euh, et euh, mené et euh, mis en place. Et euh, cette ville des nations qui sera jugée. Et, euh, et, et ça va être terrible. Donc, je voulais ce soir vous dire, mes amis, que nous sommes vraiment euh, entre minuit et 3 heures du matin dans l'horloge de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes à la troisième euh, euh, veille de la nuit, selon euh, euh, la division de la nuit euh, et, euh, chez les Grecs. Et euh, donc, la troisième veille était aussi appelée par les Grecs, par le Seigneur Yeshua dans Marc 13, le chant du coq. Jésus va enlever bientôt son église. Il va garder son église de ce temps, de cette heure de souffrance, de la grande tribulation. Et il va juger les nations. Chrétiens, préparons-nous, car le Maître n'est pas loin. Préparons-nous, sanctifions-nous, purifions-nous de toutes sortes de souillures. Dieu revient, mes amis, et euh, il va préparer, il prépare son église véritable, il va protéger son église fidèle, son peuple qui est fidèle, il va protéger les chrétiens de cette grande confusion qui va frapper le monde. Le monde est en ébullition. Le monde est dans la confusion. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe Même le climat change. Sur le plan climatique, il y a des changements terribles, mes amis. Et le monde soupire après le retour du Seigneur. Paul nous dit dans Romains chapitre 8 que la création attend avec un ardent désir que le Fils de Dieu soit révélé. Nous voyons que le monde va mal. Il y a de plus en plus de maladies qui frappent les hommes. De plus en plus la confusion dans les milieux chrétiens. De plus en plus de chrétiens qui prêchent la vérité abandonnent la sainte doctrine pour s'associer avec des impies. On est dans un temps d'apostasie généralisée. Sanctifions-nous, préparons-nous. Bientôt, nous allons être enlevés par le Seigneur. Ça va être le grand départ. Que Yeshua nous garde, mes amis. Je veux encore, si Dieu permet, dans les prochains jours, développer euh, cet enseignement et avec des images, avec des exemples avec euh, euh, des informations euh, sur l'état du monde. Et euh, vous savez que nous sommes, à la, nous sommes déjà en pleine troisième guerre mondiale. Hein, donc on est, je dirais, plutôt dans les débuts de, au début de, euh, de, de la troisième guerre mondiale. Et euh, préparons-nous, mes, mes amis. Yeshua revient. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur garde nos familles, nos enfants. Qu'il garde vos femmes, vos enfants, vos parents. Au nom de Yeshua, nous bénissons la France ainsi que toutes les autorités françaises et que le Seigneur se souvienne de la RDC et des nations au nom de Yeshua et nous bénissons Israël et également la Palestine. À bientôt, au revoir.